Bel atterrissage, Bibou. La fusée, ça va?
Enfin. Me voilà enfin sur la lune. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le cristal de lune. Qu'est-ce que Sorceline fabrique? Ça ne sent pas bon, les copains. Il vaut mieux la suivre. Peut-être que je ferais mieux de rester ici pour aider Pigeon Robot à réparer la fusée. Merci, Gluglu, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on y aille tous les trois. Il faut qu'on découvre ce que Sorceline a derrière la tête. Est-ce que ça va? C'est dur à expliquer, mais... C'est la première fois que je pars aussi loin de la maison. Et j'ai peur de rester coincée ici. Je veux rentrer chez nous. Oui, je comprends. Moi, c'était pareil la première fois que j'ai dormi ailleurs que chez moi. Toi aussi, tu as dû dormir sur la lune? À des années-lumière de chez toi? Non, mais si tu préfères, tu n'as qu'à rester ici pour garder le vaisseau pendant que Pigeon Robot le répare. Je veux bien, oui. C'est toi qui es aux commandes, d'accord? Bonne chance! Au Pigeamoto, vite! Si vous avez besoin de moi, je bouge pas. Oh. Activation des Pigeamoto. Je passe toutes les communications en mode casque. Activation des caméras embarquées. Bibou à Gluglu, tu nous reçois? Youhou! Non, c'était mon bâton de lune, il était à moi! À moi! À moi! À
réparer, Pyjama Robot. Joli travail, Pyjama Robot. Il est temps de rentrer, les amis. Déjà, je commençais à me plaire ici, finalement. Hein? On aura tout vu. Les farfelous veulent toujours la même chose. Devenir tout garou, hein? En allant sur la lune. Oh non! On les a perdus. Il faut qu'on aille plus haut, on verra bien mieux. J'ai une idée. On va voler jusqu'à la lune. Hein? Vol direct pour la lune. Ils sont coincés. On peut les emmener où on veut. On peut retourner au QG, par exemple. Hé! La lune, c'est en haut! Par là! Jusqu'à la lune! C'est déjà difficile de réfléchir quand les farfelous sont dans les parages, alors piloter, c'est encore plus dur! Ils sont vraiment déchaînés depuis que Sorceline leur a donné son aimant lune. Oui, tu as raison. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi elle leur a donné. Pyjama Robot, montre-nous le musée, vite! Je me demande comment les pyjanouilles s'en sortent à courir après les farfelous. Hein? En tout cas, ça m'a laissé assez de temps pour choisir quoi voler. Je veux le musée entier. Et grâce à mon cristal de secours, je l'aurai. Elle a un cristal de secours? C'est grâce à lui qu'elle a créé la bulle dans le musée. Alors, Bibou, ton plan peut encore fonctionner maintenant? Pas du tout. Ça, je ne l'avais pas prévu. On ne peut pas toujours tout planifier. Je suis désolée, les copains. Tu n'as pas besoin de toujours tout planifier. On peut réfléchir ensemble, on forme une équipe, non? C'est vrai. Sorceline va regretter d'avoir voulu nous piéger. Hé, justement, ça me donne une idée. Moi aussi. Enfin, si ça ne te dérange pas, bien sûr. Pas du tout, voyons. Vous allez me raconter ça en chemin. Une minute, je t'envoie un peu de compagnie. Yo-yo, rapido! Oui, tu nous as eu une fois, mais pas deux. Livraison pour maître. C'est robot. Vite, vite, vite. Ah, bienvenue, jolie petite peluche. Regardez un peu ce que je vous réserve. Mon incroyable machine a transformé les doudous. Génial de tous. Maître. Coucou copain, c'est moi ton doudou. Inverse le processus. Hein? On va oublier tout ça, d'accord? Alors, où j'en étais déjà? Ah oui. Je suis le plus génial de tous. Alors c'est pour ça qu'il vole les doudous de tout le monde, pour faire des poupées à son effigie. Non. Y a un problème, Yo-Yo? Non, non. On devrait se cacher derrière le labo de Roméo pour le surprendre. Bonne idée. On ne va pas le laisser faire. En avant. C'est quoi ce bruit? Non! Hein? Revoilà les pyjanouilles. Je te tiens. Non, pas Monsieur Miaou! Hein? Je le tiens! Faites place au roi des dinosaures! Attention! Ah ah! J'ai mon bateau! Ça va, je n'ai rien. Oh non. Ne t'en fais pas, on s'en occupe. Fais
ferme la porte. Glu-glu méga muscle. Ça devrait les retenir. Bon, très bien. On n'a plus qu'à reconstituer les squelettes. Tu crois que cet os va ici? Et celui-là, il va là, non? Et le petit? Là-haut. Ici. Là. Là. Ici. Et là. Non, non, attendez. Ces petits bras, ce sont ceux du T-Rex. Et les ailes géantes sont celles du ptérodactyle. On va y arriver. C'est un peu comme si on faisait un puzzle géant. Voilà. Terminé. Par mes écailles. C'est... pas tout à fait ça. Un dinosaure pareil, ça n'existe pas. Hein? Où sont passés les farfelous? Hein? Oh-oh. Hein? Waouh! Le tas est en train de s'animer. Des griffes pointues, des mâchoires tranchantes. Vous avez vu? On dirait un très très vieux loup. Hein? Ah bon? Les loups ont des ailes? Non, petit loup. À part les ailes, mais sinon, on dirait vraiment un loup. C'est mon nouvel animal de compagnie, le farfelosaure. Hé! Hey, descendez! Ces os datent de la préhistoire. Ça veut dire qu'ils sont vieux. Waouh, c'est gros énorme. Yo-yo, rapido! Waouh! À moi. Hein? Voyons s'il peut hurler comme nous. Oh! Donne-moi ça. Non. Donne. C'est qui le gentil toutou? Oh oui, c'est toi, hein? Je t'ordonne d'envoyer ces héros à la noix voir ailleurs si j'y suis. Entendu, maître. Adieu, les pyjaminus. Vous allez voir, ça va être renversant. Attention! Wow! Je me suis régalée. Je l'adore, mon nouveau maillet. Il est trop cool. J'ai exécuté votre ordre. Rendez-moi le maillet. Non, il est à moi. Je le garderai tant que j'en aurai besoin. Encore un souhait et après je te le rendrai. Enfin, peut-être. Ça va, vous n'avez rien? Eh ben, dites donc, il est méchant ce dragon. C'est peut-être juste parce qu'il obéit aux ordres de Ninjaka. De toute façon, il faut qu'on aille reprendre ce maillet des mains de Ninjaka. Oui, mais comment? Vu qu'on ne peut pas s'approcher de lui. Je crois que j'ai une idée. Vous allez détourner son attention pour que j'arrive à l'éloigner du gong. Quand ce sera fait, Yo-Yo, tu bondiras pour prendre le maillet. Super plan. Glu-glu reptilo camouflage. Je ne sais pas ce que ces pigeons caspillant derrière la tête, mais ça n'a aucune importance. Ils ne font pas le poids contre mon dragon, de toute façon. Moi. Youhou! Je suis là. Ici. Ici. Non, ici. Je vais déclencher le souffle du dragon. C'est quoi ça? Oh, tu fais bien de me poser la question. Je vous présente le contrario laser. Mon invention pour changer le caractère des gens. Par exemple, il peut transformer un méchant en gentil. Et aussi transformer un gentil en méchant. Mais alors, tu ne veux pas du tout devenir notre ami en fait? Eh bien, non. Surtout ne bougez pas, sauf qu'il peut. Minou, Minou, reviens ici. Ah oh, non, Yo-Yo. Ah, Bibou. Yo-Yo, ça va, tu n'as rien? Ne m'appelle pas Yo-Yo, tétard. Je suis Tigre Noir. Oh, et moi, Merlette. Ça marche encore mieux que je l'espérais. Attrapez le lézard. Tigre oligoto! Hein? Oh! Merlette ni plume! Glu-glu, bouclier, écaille! Tu ne peux plus nous échapper, Glu-glu. Tu n'as pas le choix. Dans tes rêves, Glu-glu reptilo camouflage! Le pigeon casse-pied a réussi à s'enfuir. Pour l'instant, peut-être. Mais on l'aura, tu verras. Ha ha ha!
Roméo. Mes meilleurs amis ont été transformés en méchants. Qu'est-ce que je vais devenir? La lune est super haute. Il faut qu'on trouve Sœur Céline avant qu'elle mette en place son portail lunaire. Séparons-nous. Il faut que je la fasse partir ou on aura toutes les deux de gros problèmes. Voilà, grâce à cette nouvelle lentille, mon portail lunaire sera 10 fois plus puissant. Plus un geste, Sœur Céline. Attends, tu l'as réparé? Mieux que ça, disons que je l'ai réparé en l'améliorant. Alors, on est quitte? Non, non, on n'est pas quitte du tout. Tu l'as cassé, moi je l'ai réparé. Tu me dois quelque chose. Ah ah! Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Tu exagères. On sait que tu as cassé le télescope, Sœur Céline. Oh! Attends, ils ne sont pas au courant? Au courant de quoi? De rien, rien du tout. Maintenant, éloigne-toi de ce télescope. Non, si je l'ai réparé, c'est que je compte m'en servir pour mon portail lunaire. Et ni toi ni personne ne pourra m'en empêcher. Ah, tu crois ça? Bien sûr. Papy Nuit, attrapez-la. Vous protège le télescope! Ah non, voilà! Pas une deuxième fois! Je l'ai! Bravo! Tu n'as pas pu le casser cette fois! Pour la 100e fois, les Pyjaminus, ce n'est pas moi qui l'avais cassé! Alors qui c'est? Oui, qui? Il n'y avait que toi et Bibou sur le... C'est bon, je l'avoue. Ce n'était pas Sœur Céline la coupable, c'était moi. Quoi? Je l'ai cassé sans faire exprès, en m'appuyant dessus. C'était un accident. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Je ne savais pas comment vous l'avouer. C'était plus simple de laisser accuser Sœur Céline, puisqu'elle fait tout le temps des bêtises. Wouhou! C'est vrai qu'il est cool, cet aérolune. Viens, on y va. Victoire pour Robo. Non! Ouais! Bon, comment on sort d'ici? Pas trop tôt! Wouhou! Alors, on essaye de se faire la belle? On va bientôt savoir de quel côté sont vraiment tes amis. Pyjamasque! Pyjamasque! J'ai trouvé Roméo! Là! Yo-yo! Glu-glu! C'est moi! Et lui, c'est Roméo! Il s'est transformé en moi! Non! Roméo, c'est lui! Roméo est un génie maléfique! Qui d'autre aurait pu inventer une machine pour se déguiser en moi? Si tu es vraiment Bibou, que faisais-tu dans le labo? Ouais! Par mes oreilles de chat. En tout cas, l'imitation est drôlement réussie. Voyons, les garçons, c'est moi. Oh, attention. Arrêtez. Elle nous a sauvés. La vraie Bibou, c'est elle. Roméo n'aurait jamais fait ça. Mon plan a fonctionné. Je vous offre un aller simple. Pour la lune! Quoi? Vous n'en reviendrez jamais! Plus aucun méchant, plus aucun héros! Je serai enfin le maître du monde! Quand je pense que Bibou était en fait Roméo depuis le début! Ouah! Il nous a fait faire plein de choses méchantes! Ouah! On peut encore être de vrais héros! Oui, c'est vrai! Qu'est-ce que Zoé Zap ferait? Qu'est-ce que Bibou ferait? Oh! Je suis invisible? Ah, c'est un cauchemar! Il y a école demain! Oh, et c'est le jour de la photo de classe! Il faut qu'on récupère le rayon de Roméo pour faire réapparaître Bibou. Je me charge de distraire Robo. Je me charge du rayon. On essaiera de le rapporter au QG pour le recharger. Je fais quoi, moi? Youhou, les copains! Stop! Le maître a dit que Robo devait vous occuper. Oh! Alors voyons si tu sais faire ça. Bien sûr. Ouais, pas mal. Et ça, tu y arrives?
yo-yo rapido. Mais j'arrive aussi à faire ça. Hein? Hey! Oh? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Les copains! Robot! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu es là pour les surveiller, pas pour t'amuser! Oui, maître! Excusez-moi, maître! Allons-y! Oh! Je vous tiens! Oh mince! Ouais! Eh bien, ça secoue. Je vais essayer avec mes glu-glu mains collantes. Hein? Oh, oh, oh. Attendez-moi, maître. C'était très amusant. C'est plus dur que je ne pensais. Aïe! Oups, désolée. Je ne t'avais pas vue. Forcément. J'aurais pu vous aider si vous m'aviez dit quoi faire. C'est pas parce que vous ne me voyez pas que je ne fais plus partie de l'équipe. On est désolé, on ne l'a pas fait exprès. C'est vrai, on a oublié que tu étais là parce qu'on ne te voit pas. Je suis de l'autre côté. Tu vois, on n'a pas l'habitude, c'est tout. Parce que, en général, c'est moi qui suis invisible. C'est vrai. Oh, j'ai une idée. Je peux récupérer le rayon moi-même puisque personne ne me voit. Suivez-moi. Ninja Zouave, parez à l'action. Quelle action? Le clou du spectacle! Le but en or de la soirée! Attaquez votre QG! L'engluer une bonne fois pour toutes! Oh, nom d'une plume! Ils ont pris le chat bolide! C'est l'heure d'être un vrai héros! Yo-yo! Mets-toi en mode rapido pour bloquer les autres ninjas zouaves. Toi, Glu-Glu, fonce au QG. À la poubelle, les étoiles collantes. Glu-Glu, sers-toi de ta force pour repousser les étoiles collantes. Bien reçu. Glu-Glu, méga muscle. Mais enfin, ne restez pas planté là, espèce de ninja nouille! Si vous ne pouvez pas passer par le portail, passez au-dessus du portail! Yo-yo! Vite, en défense! Hein? Glu-Glu, active ton camouflage! Super maladroit! Laissez-moi faire! Bonjour, étoile collante! Au revoir, QG! Dévie la balle, Glu-Glu! Hein? Oh, oh, oh! Victoire pour nous! On ne te laissera pas faire! Vous dites toujours la même chose. Regardez un peu. Lionelosaur. Maître, votre labo. Pourvu que je ne les ai pas oubliés dans le labo. Ah, les voilà. Mini Gloops. Oh, dans mes bras, mon Lionel chéri. Cours toujours, tête de tétard. Super, il est redevenu aussi monstrueux qu'avant. Bibou, prends les mini gloops. On s'occupe de Lionelosaur. En avant, Glu-Glu. Yo-Yo, attends. Ce n'est pas un monstre, voyons. C'est Lionel, mon copain. Plus maintenant. T'as vu la taille de ses dents? Laisse-moi lui parler. Je vais arranger ça. Ferizette, mon loulou Lionelino. Tu vois, il me reconnaît. Ça ne l'empêche pas d'écraser tout ce qui bouge. Oh! Non, il a juste envie de jouer. Bibou, rattrape-le. Bibou, tornado. Glu-Glu, méga muscle. Beau réflexe. À moi. Yo-yo, rapido. Je suis là. Glu-Glu, méga muscle. Vous voyez, il a beau peser au moins 2 tonnes, c'est toujours mon loulou Lionelino. Bon courage pour
pour le porter quand il aura 5 tonnes. Bibou Tornado! Il faut qu'on s'y prenne autrement. Suivez-moi! Mais... Hé! Oh. Hey, sors de là tout de suite! Aïe, ça fait mal! Cette fois, c'est moi qui pilote! Pauvre Lune, tu te retrouves dans le noir? Moi, personne ne me fera de l'ombre! Sorceline, on doit rester soudés pour déjouer le plan de Roméo. Sois gentil avec Bibou au lieu de lui voler dans les plumes. Ah, je vais essayer. Bibou, tu dois faire des efforts aussi. Quand on est en mission, on a toujours des trucs difficiles à gérer. Sauf que là, Sorceline, fais ça difficile. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Arrêtez Roméo, c'est ça la priorité. Voilà mon idée. La meilleure défense, c'est l'attaque. Alors finis de fuir, c'est nous qui allons le trouver. Je n'aurais pas dit mieux. Pour lui barrer la route, il faut le repérer. Bien vu. Et pour ça, j'utilise ma hibou vision. Non, laisse faire mes papilles nuit. Oh, mais c'est moi qui ai les meilleurs yeux. Ça, c'est ce que tu crois. Nom d'une plume. Je l'ai localisé. Du côté du musée? Non, de l'autre côté, près de l'école. Et la flèche, tu en fais quoi? Non, Sorceline, arrête. C'est mon astro hibou, c'est moi qui commande. Il est ici. Je te l'avais dit. Oh, il est là. Regarde. Il est à deux endroits en même temps. Attendez, comment est-ce que ça se peut? Alors, les pyjaminus, on voit double. Vous vous êtes fait avoir par mes hologrammes. C'est pour ça que vous l'avez vu à deux endroits différents. Vous aviez toutes les deux raison. Enfin, plutôt toutes les deux tort.